Mon ange aux ailes brisées. Is to rescue a prisoner being held at Lamar Hatte Palace. He's known as Malak, Angel to his fellow Mujahideen. Start by checking the target's VI on your iDroid. The Soviets captured him and took him to the ruins of the palace. His family was subsequently killed in an airstrike on his village. The Soviets' scorched earth operation wiped it off the map. The client is none other than his father. Or rather, this was his father's dying wish. To rescue other prisoners as well. Each one will add a bonus to our pay. When you see them, I'm sure your conscience will tell you what to do. Ok. Alors je préviens, il y a de grandes chances que ce soit un carnage. Hein. On va commencer par ramasser les plantes. En général, il y en a au moins deux. Non. Tant pis. Oh, c'est trop stylé. Oh, par contre, il me fait un croc en jambe. Là. Et Diorce, je l'ai? Ah non, du coup, j'ai pas Diorce. Ok, c'est soit loup, soit Diorce. Comment on fait déjà? On peut lui faire. You can pet the dog. Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment on fait déjà pour les lunettes? Attends, déjà on va prendre le snipe et les lunettes. Non. 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 Ok. Alors. Il y a forcément quelqu'un dans les parages. Ok. Là on voit. Analysis complete. Analysis complete. Il y en avait là, là. Analysis complete. Analysis complete. On voit des caisses qui pourraient être intéressantes pour aller direct dans les ruines. Il n'y a personne dans les ruines, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas le tank? Animal repéré? Il a repéré quoi là? Bon bref. Alors, est-ce que... Comment on fait déjà? Ah oui, voilà. Bon, ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'utiliser le sniper à ce niveau-là, mais... On peut passer derrière. Et l'objectif, il est à 80 mètres. Moi, je pense que rentrer dans ces ruines, c'est le meilleur moyen. Ah, par contre, du coup, on rentre dans les ruines. Non, mais comment il a fait pour se retourner?
Attendez. Aïe 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 aïe. La gridance m'a eu. Bon, bah on va rester là un petit moment et en espérant qu'il n'y ait personne qui passe de l'autre côté, sinon je suis mort. Là je suis encerclé donc. Ah. Et voilà, il y a eu un mec qui est passé. Ouais, c'est foutu. Mais vas-y, mais pourquoi il y avait un mec, les gars? Il y a eu un mec qui s'est retourné d'un coup. Tu sais pas pourquoi, il s'est retourné et il m'a vu, tu sais. Il a alerté tout le monde. J'étais presque passé en plus, hein. J'étais presque passé. Ah. Exploitation minière automatique. Le truc, c'est que maintenant, il faut raffiner les trucs. Je sais pas comment on fait. On va y aller comme ça. Hein. Et y a un gars qui était là. Mais je sais pas où il est, là. Vraiment, il n'y a personne dans les mines. Pourquoi il y avait un mec ici, là? Analysis complete. Ouais. Bon, après le jour, c'est quand même plus difficile, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais passer encore plus haut. Je me demande si ça vaudrait pas le coup de faire une guérilla au sniper. J'aimerais tellement qu'il y ait un silencieux au sniper. Oh là 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 là. Ça serait une vraie dinguerie. Ennemi repéré ou ça? En haut. J'ai pas le temps de le marquer. La question c'est où est-ce qu'il est? Lui est en train de se barrer. Ok. Donc là, on y est. D'accord. Ça va être compliqué, hein. Il est fort, hein, D-Dog, franchement, c'est incroyable. Elle est en train de... J'arrivais là. Il a tué alors que j'arrivais 2 secondes plus tard, quoi.
C'est-à-dire qu'il faut que je me dépêche si je veux avoir... Oh là là. L'autre prisonnier, il est où? Il est... Ah, il est pas dégueulasse en plus, hein. On va le récupérer, lui, du coup. C'est pas grave. Ça nous fera quand même un soldat en plus. Stop, stop. Je suis pas au bon endroit, là. T'es où, l'entrée? C'était là. On les récupère, hein, on les récupère, les gars. Il me faut des gens. D'abord, on s'occupe des prisonniers ici, là. Je sais pas si c'est en haut. Si, c'est au-dessus. Alors là, ça devient dangereux. J'entends des bruits de pas là. C'est pas cool. Ok. Je m'éloigne juste un petit peu. Normalement, il devrait plus l'entendre ici. Tais-toi, 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 va pas faire de bruit là. Alors. Oh, no.
target Malak was sent to a different outpost. I've sent the information to your map screen. You're gonna need more information to pinpoint a location. The map is being updated. Alors je vais me caler ici les gars. Et normalement j'ai aucun risque. Il m'y repérer où ça? La barre, ok, ça va. En fait, il faudrait que j'aille choper le dernier à 63 mètres là-bas. Mais c'est chaud. J'aime pas. Je me casse d'ici. Je vais aller récupérer les ressources. Au pire, je peux me barrer dans la plaine là. S'il faut. Je me fais cramer, je me casse. En fait, il faut que je change d'endroit. Là, il faut que je fasse le tour. Ils vont me chercher dans le bâtiment abandonné, alors que moi, ce que je veux, c'est choper le mec qui est à 90 mètres. Donc là, je fais juste tout le tour en grand. Ça prend un peu de temps, mais au moins, je prends pas de risque. Le seul risque qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il y ait un ennemi que je n'ai pas vu. Et donc, s'il me voit, je suis foutu. Il n'y a pas de ressources ici. Allez, monte, monte. Là, une bonne nouvelle. Hein. Il est là. Je fais comment pour entrer? Oh putain. Au pire endroit là. Dessus pourtant. Heureusement qu'il a pas. Ok. Je fais un mouvement, ils ont des yeux partout, frère. Waouh, là c'est chaud les gars. C'est très très chaud. Je vais le tenter mais...
Ah, il y a l'autre qui arrive là. Il vient où? Je vais le choper, hein. Putain, mais il y en a un autre en plus. Oh non, mais ils étaient déjà en alerte. Putain, mais les timings, les gars, sont vraiment horribles. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que ça vaut le coup? Parce que je sais que ma cible, elle est là-bas. Ma cible, elle est ici. Donc est-ce que ça vaut le coup que je reste là, en vrai? On va dire que non. Hein. On va se barrer et puis basta. Hein. Putain, mais bloque pas comme ça. Oui, il me tire dessus comme ça, mais... Tirer une balle dans ta tête, toi. Et le premier qui se monte, je le fume. Ok. Bon, tant pis, c'est trop compliqué les gars, je préfère abort the mission. Avorter la mission. J'ai récupéré du personnel, j'ai récupéré des ressources. Oula, oula, oula. Analysis complete. Et pourquoi il y a autant d'ennemis là? Ils sont passés l'info ou? Enemy presence analysis. The map has been updated. Pourquoi je vois rien comme ça là? Mais c'est moi. Pourquoi j'ai pas pu attaquer les gars? Il est en train de me fumer de ouf. Bon, j'ai voulu faire le mec. J'ai voulu aller le prendre au cac. Le mec s'est caché. J'ai sauté au-dessus pour pouvoir le choper derrière. Sauf que en fait l'IA est beaucoup trop rapide.
Donc elle m'a explosé. Non. J'aurais pris le sniper, j'aurais collé une balle, c'était terminé. Hein. Bon, je vous le dis là, je vais même pas tergiverser. Hein. Quoi? Genre, j'étais pas sur sa tête là. C'est une blague. C'est une blague. Mais là? Frère, le sniper est un problème. Là. Mais allez, mais c'est quoi ça? J'ai le viseur sur la tête quand je tire. Voilà, allez. Bon. Quand ils sont en mouvement, les gars, c'est impossible de les toucher. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc là, ils sont foutus. Métal courant, c'est parfait. Allez, on continue. Ça, je suis dégoûté pour tout à l'heure. C'est loin quand même, hein. Plante médicinale, où ça? Putain, il voit ça à 10 km, le chien, là. Normalement, il devrait plus y avoir d'avant-poste avant le prochain objectif. Va reprendre l'arme. C'est où? C'est loin. Donc on continue. J'hésite à passer à gauche, les gars, parce que rester sur la route, c'est pas une bonne idée. Mais je sais pas où ça va me mener. Tant pis. On va tenter de passer à gauche, c'est moins risqué, je pense. Plante médicinale repérée. J'aimerais bien savoir où il l'a vu, hein. Ennemi repéré. Analysis complete. Ouais, non, je vais pas me les faire, tranquille. Vous voyez, je serais passé sur la route, je me serais fait avoir, quoi. Donc là, je vais me caler derrière le rocher et je vais. Là, il y a une plante. Et on va sniper un peu tout le monde. Enfin, sniper. On va regarder où est-ce qu'il y a des gens. Alors, il y en a un dans la tour. Analysis complete. Il y en a un là. Analysis complete. À mon avis, il y en a beaucoup, mais largement plus que ce que l'on voit là. Malheureusement, je peux pas. Si je les vois pas, je les vois pas. Je peux pas avoir plus. Faut que je me rapproche si je veux. On va se rapprocher. Et les autres, ils se sont barrés, je sais pas où. Enemy prison detected.
Il y a moyen de passer dans l'eau? Là, on rentre dans une zone dangereuse. Ennemi repéré dans le bac, dans le bâtiment. C'est bien, il m'a fait zoomer sur le cul du chien. En profiter pour m'introduire, mais alors là, je sais pas du tout ce que je fais et où je vais. Et si la tempête elle s'arrête, c'est fini pour moi. Je pense qu'il faut que je trace en fait. Putain, je suis dans la merde. Tant pis, dans un autre cas, t'es mort. Je voudrais monter. On va essayer le silencieux. Il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Si j'arrive à choper lui là. Et ce en haut, en fait, c'est bon. Enemy presence detected. The map has been updated. C'est chaud, hein. Il regarde vers moi. Et lui, il veut pas bouger, hein. Enemy presence detected. The map has been updated. Ok. Il y a un monde, il y a un monde où j'arrive à le choper sans me faire voir. Merde. He's coming too. Roger that. Vous, les gars, je vous emmène tous les trois. Ah non, j'en ai 6. Oh putain, ça sera les derniers alors. You're going to extract him.
Ok. C'est quoi cet objectif de 68 là? Ouais, le nombre de ressources qu'il y a. Comment je fais? Et je vais aller le chercher. Non, je vais pas le chercher, je vais pas le chercher. Oh. Il l'a distrait là? C'est dinguerie. Comment on fait déjà? Comme ça. Salut Dinax, ça va bien? Il t'a repéré. Ah oui. Ah ouais, non, là il. En stress hein, parce que là c'est les missions principales, ça prend plus d'une heure à faire, j'ai pas envie de me faire cramer direct. Oula, il y a un rat et je crois que là je ressors de l'autre côté. Non, ah non, c'est un hérisson ça. Ah non, c'est une sortie. Le problème, c'est que s'utiliser ces trucs-là, c'est hyper dangereux. J'aime pas ça, moi. Je voudrais rentrer dans la base autrement. Ok, il y en a deux là-bas. Il n'y a pas moyen de monter quelque part. Que rentrer dans la base, je veux pas. Si je me fais voir par au-dessus, ça va être chaud. Ouais, il y a certaines missions à des quêtes principales qui sont vraiment hyper, hyper longues. Là, ça fait déjà. Tu vois, là, je suis à 1h20 de vidéo, j'ai fait 3 missions, quoi. Là, je suis à la troisième. Donc, lui, je vais le fumer. On va d'abord essayer de l'endormir. Si on peut. Mais il faut se rapprocher pour être le plus précis possible. Voire même si je peux ne pas utiliser. Ouais non, ça va être trop chaud. Hein. Là, il y a une échelle. Ouais, ils m'ont pas vu. Je vais l'emmener, je vais lui mettre une balle dans la tête. Voilà, normalement, il n'y a personne qui va venir ici. Qu'est-ce que... Merde. Il y en a un qui a entendu. Non. Ok. Ok. On va faire autrement. Il y en a trois qui se sont déplacés et les autres ils sont en alerte. Sauf que je peux pas les avoir à l'intérieur. Donc là, le mieux que je peux faire en fait, c'est de me mettre là et attendre qu'il y ait un ennemi qui fasse l'idiot ou plusieurs et je les allume. Il y a combien je pense que ça fait face. Combien de quoi? Excuse-moi, Xenak, combien de quoi? 3, 2, 1. Combien de missions? Oula, j'en suis à la 10e depuis le début du jeu. Parce que t'as des missions secondaires et t'as des missions principales et j'en suis à la 10e mission principale du jeu.
Mais en général, l'émission, elle dure pas. Enfin, elle durera 1 heure tout au plus. Tu vois, genre, si ça fait plus longtemps, c'est que t'as un peu galéré dessus ou quoi, tu vois. Mais parce que c'est un jeu d'infiltration, donc forcément tout est un peu plus lent. Il faut que t'attendes que les ennemis passent quelque part, qu'ils t'arrangent, etc. Tu vois. Mais en soi, normalement c'est 1 heure, environ 1 heure les quêtes, quoi. Rester vigilant. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la. Bah oui, non, mais je vais retourner là-bas. Il y avait la l'échelle. On va aller prendre l'échelle, hein. De toute façon, là, je suis prêt pour fumer tout le monde, hein, parce que après, je vais piller le camp. Juste, je trace pas trop. Encore un ennemi? Ah oui, mais il est là-bas, il est tout au fond. Ce que je peux faire, c'est mettre un petit coup de snipe. Ça va bien les faire flipper, vu qu'ils savent pas où je suis. Et là, on va les faire bouger un peu. Le but, c'est de créer un état de panique constant et de jamais être là où ils nous attendent. Mais genre, j'étais pas dessus là? C'est une dinguerie. Je vais reprendre mon arme principale. Ah, il est en train de descendre. Ah, mais il descend. C'est une bonne nouvelle, ça. Trace, trace, trace. Bon, normalement, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus beaucoup d'ennemis, donc si je fais attention, ça devrait aller. Il est où? Il est en haut? Ah oui, il est en haut. Oui, le dernier point de contrôle. Rejoins-moi en bas. Attends, il est en train de me regarder là à travers le mur, je rêve pas. Ça, il m'y repérait. Ah, il y en a d'autres qui se sont ramenés. C'est chaud hein, de faire un massacre hein, parce que à tout moment je peux perdre et si je perds, je recommence tout à zéro, hein. Ah mais t'as pas bougé, t'as fait 3 pas dans l'escalier. Regardez là, ils sont en train de me rusher dessus à 4 là.
Ok, j'en ai limité 3 d'un coup. Le mec, il a flippé de ouf. Ok, il y a un ennemi en plus. Alors, il y en a deux, mais ils sont ultra loin. Là, c'est le moment. C'est le moment. Mince, comment on fait? Je sais plus. Ah oui, voilà. Prendre le snipe. C'est lui qui a activé l'alarme là? Je sais pas. Et boum. Quoi? Oh là, oh là, c'est mauvais pour moi, ça. C'est une mauvaise nouvelle. Les mecs sont arrivés beaucoup trop vite. Pas tout à fait à zéro, mais je reviens au début du fort, quoi. Au début du fort. Waouh. Ah ouais, il y en a beaucoup qui sont arrivés, là. C'est une dinguerie. Comment ça, il y a tout ça? Bah, si j'avais pas couru, j'étais mort. Hein. J'étais à deux doigts de réussir à tous les fumer. Et là, je crois qu'il y a des... Il y a dû y avoir un véhicule, à mon avis, qui a été rapatrié. Hein. Traitement de matériaux. Ah, ça traite les matériaux en fonction. Bon, par contre, il y en a un milliard d'un coup, là. Hein? Si je... attends. Ouais, il y en a pas... Oh là là, ils sont partout. Je crois que j'ai un peu trop cherché le jeu là. Il m'a dit non, non, c'est pas comme ça qu'on joue. Hein. Ils sont tous là-bas. Au pire. Analysis complete. Analysis complete. Il y en a 4 à l'intérieur et 4 à l'extérieur. Ceux à l'intérieur, on va pas y toucher tout de suite. Par contre, ceux en extérieur, on va essayer de les avoir. Tant pis. Je pense que je peux prendre le snipe et leur mettre... Attends, je vais recharger avant quand même. Oh, ce tir, les gars. Du caviar. Ok. Bon. J'ai bien réduit leur nombre. Ok. Comment je fais maintenant?
Allez. Ok, il y en a d'autres qui arrivent encore. C'est chaud, hein. Mais je crois que c'est les dernières, hein. Il n'y en a pas d'autres. Ah si, il y en a une là. Putain, ça s'arrête jamais, hein. Que moi, je veux piller le fort, hein. Il y a trop de ressources là-dedans pour laisser de côté. Voilà, et là, on leur donne envie. On leur donne envie. Par contre, je vais bientôt plus avoir de munitions pour le snipe. Putain, mais je vais tuer tous les ennemis de la zone, là. Ça me rend dingue. Il me reste 10 balles. Ok. Ah, c'est une question de toujours se repositionner, les gars. Hein. Leur donner l'impression qu'on est à droite et en fait on est à gauche, etc. Hein. Ah non, pitié, pas des renforts. Ah yes. Voilà. C'est ça qu'on voulait entendre. Allez. On va bien y arriver à un moment donné. Hein. Il n'y en a plus là, normalement. Alors là, il y en a un qui arrive. J'aimerais bien le choper avant qu'il... Non, il est déjà arrivé. Merde. Oh non, mais c'est la merde, là. Mais attends, mais ils ont dit qu'il n'y avait pas de renfort, et là, d'un coup, ils... Waouh. Là, par contre, le jeu, il m'a pas respecté, hein. C'est terrible, hein. Plus j'en tue, plus il y en a qui arrivent. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Dernière position connue, ça veut dire ici. Alors, toi, mon gars. Ah oui, d'accord, mais je m'en fous en fait. Allez. Avance.
Mais Georges, mais le gars, je lui tire dans le corps. Comment? Ok. C'est plutôt mon avantage, surtout qu'ils arrivent de manière décousue. Et voilà comment annihiler 4 personnes en une seconde, grâce à une tempête de sable. Il me reste 5 balles. Et vu que moi je les vois à travers. Aucune erreur, les gars. Il faut faire aucune erreur. Je préfère redescendre, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux là. Je vais aller les chercher de l'autre côté là. Et là, ça va être normalement la dernière ligne droite. Mais non, mais c'est pas possible. Non, non, ils déconnent. Le jeu là, c'est pas possible. Les mecs, ils disent, il n'y a pas de renfort possible. Et à chaque fois que je regarde à travers les murs, il y a des nouveaux. Non? Ah non? C'est ceux qui étaient dans la base. Non, je dis des bêtises. C'était ceux qui étaient dans la base. Je voulais... C'est ceux que j'ai voulu prendre à revers. Et eux, ils ont voulu me prendre à revers derrière. Il va descendre ou pas, lui? Ah, il descend. 4 balles, mais ça suffira amplement. C'est pas vrai. À chaque fois que je tire, il y a un problème. Plus que 2 balles de snipe, hein. Et 3-4 adversaires. J'espère qu'il n'y en aura plus après. Hein. Mais cette allée-là, c'était l'allée des morts. Hein. On en profite un maximum. Tout doucement, s'il te plaît. Il est là. Hein. Une balle dans la tête. Ok, le dernier, le dernier. On fait pas le malin. Ah, il va le chercher. Oh, il va le chercher. C'est un ouf. Ah, je suis vraiment nul, hein. Et y a plus personne. Y a plus personne, on est d'accord, y a plus d'ennemis, hein. Par contre, les bases, elles se ressemblent toutes. Hein. Je veux pas dire, mais... C'est la deuxième. On récupère toutes les ressources, les gars. On n'a pas fait tout ça pour rien. Quoi? Oula, ça bug. Oula, oula. Pas de softlock, s'il vous plaît.
Enfin, je m'étais battu dans un épisode d'avant, je m'étais battu dans cette salle, mais genre, c'était très, très dur. Par contre, c'est tout le temps, en vrai, c'est tout le temps au même endroit, en fait, que les prisonniers y sont. Il m'en reste 4, donc c'est nickel. Allez. Hop. Let's go, mon gars. T'es sauvé. Faut que j'en garde quand même avec moi. T'es pas encore sauvé, mais on va dire que oui. Non, mais. Didog, voyons. Ok, et là. Donc là, j'ai mon objectif. J'ai même deux. Comment ça, j'ai deux objectifs là? Animal repéré. Mais on s'en fout des animaux là. Et là, il y a un mec encore. Par contre, il y a une. Normalement, il y a une salle où il y a 1 milliard de ressources. C'est pareil que l'autre, il y a vraiment un endroit où il y a vraiment beaucoup beaucoup de ressources. Tiens, bah là déjà. Et ça, c'est la cible. Let's go. Waouh. Ah ouais, d'accord. Je vais appeler l'hélico, mais je vais te mettre là. Et on appelle l'hélico ici. Rendez-vous ici. Oula. C'est par là qu'on sort? Ah, attendez, attendez. Là, c'est à gauche. Voilà. Et là, on est tranquille, normalement. Allez, viens par là, mon beau. Ça aurait été compliqué de conduire le véhicule jusque là en haut. De toute façon, le temps que l'hélico arrive. Ouf. Eh ben. Je ferais peut-être un épisode spécial juste pour cette mission, hein. Allez, mon ami. Hop. Ah non. Attends. Bon. Let's go! Wouh! Je suis quand même content d'avoir fini cette mission. Hein. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Mission complete. Great work. Rang B. Ça coûte cher hein, les alertes ennemies déclenchées. Ça coûte super cher. Hein.
Malak was out on a mission at the time, and that's the reason why he alone survived. But the question is, who hired us to find him? According to Malak, he saw strange soldiers snooping around the village when he got back. Turns out they were members of Cypher's Strike Force XOF. My theory is they wanted to get their hands on Malak to question or silence him before the Soviets could get to him. Cypher was just using us to cover things up. All that crap about Malak's relative was a front to convince us to retrieve him. But an entire colony just wiped off the map. It sounds a lot like the Hameed during the Honeybee incident. All I know, boss, is there's no way in hell I'm handing Malak over to Cypher. I've decided to bring him back to Mother Base instead. He's one of us now. We told the client through a cutout that the target was killed. For some reason, though, they still paid us everything we were owed. Cypher's obviously up to something. This is probably just another preemptive cleanup operation to them. But to Malak, he lost his village, his family, everything, and he wants his revenge. In other words, he's one of us.